Nous sommes ici au CIMI pour commercialiser clairement Toulouse Aerospace, donc cet espace au sud-est qui est où on trouve notre B612, qui est notre bâtiment figure de proue pour tout ce qui touche à l'aéronautique, l'espace et les systèmes embarqués. Et puis à côté du parc des expositions nord-ouest, dans notre pôle service aéronautique et aéroportuaire, on a là encore des mètres carrés tertiaires à commercialiser, avec aussi de l'activité qui est très attendue. Pourquoi c'est important d'être au CIMI ? Tout simplement parce que c'est le lieu de présentation d'une part des projets, mais c'est le lieu de rencontre de tous les professionnels de l'immobilier, que ce soit des investisseurs, des promoteurs, des architectes, tous ceux qui font la ville sont au CIMI. Donc il était important que la métropole se positionne et montre qu'elle est présente, qu'elle est dynamique, qu'elle est active et qu'elle veut accompagner cette attractivité en étant au rendez-vous des projets. Alors les arguments et les raisons d'investir à Toulouse, c'est d'abord notre pôle scientifique. Nous avons 10 000 chercheurs, nous avons beaucoup de laboratoires de recherche privés qui travaillent main dans la main avec la recherche publique, donc c'est vraiment notre point fort aujourd'hui. On est aussi une métropole où nous attirons plus de 120 000 étudiants aujourd'hui. Donc on voit que toutes ces sociétés qui nous rejoignent cherchent à recruter. Elles s'éloignent de Paris parce qu'elles ont de plus en plus de mal à recruter. Elles viennent à Toulouse parce qu'on y trouve beaucoup d'ingénieurs, donc pour toutes les start-up technologiques, beaucoup de formations autour du numérique. Donc ensuite, il y a bien sûr la qualité de vie. On est une métropole attractive par son patrimoine, par sa qualité de vie, la gastronomie, et puis ce mélange avec les canaux, la Garonne, ce bien-être, il fait bon vivre à Toulouse, au-delà de cette attractivité économique. Donc l'appel à projet d'Enessinement de Toulouse est un appel à projet innovant qui a comme objectif d'accompagner la ville dans sa transformation, dans son évolution, puisque vous savez que la métropole toulousaine est très attractive et doit accueillir tous les ans 15 000 habitants supplémentaires. Donc nous nous inscrivons dans cette dynamique-là et nous avons souhaité plus d'innovation dans les projets. Alors innovation dans les usages avant tout, donc les usages pour vivre, pour habiter, pour travailler, de l'innovation architecturale bien sûr, et de l'innovation en préservation, en termes de valorisation du patrimoine, de l'innovation dans la façon, dans les méthodes, y compris en peut-être inventant des nouveaux modèles économiques pour réaliser ces opérations, de l'innovation dans la participation et dans la concertation, puisque nous avons souhaité que ces projets soient concertés avec les habitants, avec les habitants des quartiers. Et pour cela, nous avons organisé des rencontres, un meet-up avec tous les acteurs susceptibles de répondre à cet appel à projet. Et nous avons travaillé également avec les habitants des quartiers sur les 20 sites que nous avons sélectionnés.